parce que je sais qu'on n'est plus amis. Mais moi, je tiens encore à elle. Je l'aime beaucoup. Et elle doit se sentir plus seule qu'avant. Maintenant que tu t'es séparée de Blanche. Elle doit penser à son papa. Oh, Alexandre, quelle chance j'ai de t'avoir. J'ai une de ces chances. Je peux passer. Hop là, oula. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va pas, mais... Et puis mais vous êtes fous, tous les deux. Calme, du calme. Nous voulions contrôler que vous n'emportiez rien par inadvertance qui appartienne à Blanche, chère madame. Non, non, Polo, premièrement, je suis une demoiselle. Oui, je suis une jeune femme célibataire. Oui, enfin, jeune si on veut. Oh, ça va, Polo. Mais c'est vrai, il faut. Et deuxièmement, si je devais toucher le moindre chiffon de cette femme, je me laverais les mains avec de l'eau de Javel. Qu'est-ce que vous racontez, chère madame, hein? Vous voulez savoir ce que je raconte? Je raconte que ce n'est pas une dame, votre patronne. Comment ça, que ce n'est pas une dame? Vous devriez avoir honte. Je sais ce que je dis, caniche brésilien. Je l'ai assez fréquenté. Oh. C'est une anguille comme vous deux. Et ça, je suis sûre que c'est même pas des rouleaux. Voyons, voyons un peu ça. Allez, tu vas la voir. C'est ça, écrase-la. Mais quel match. Mais c'est très chaud. Allez, Dorina, allez, Dorina, allez. On se bat, on se bat, on se bat. C'est bon, ça y est, vous vous êtes bien défoulé maintenant. Bas les pattes, bas les pattes. Ah, il va falloir s'entraîner, hein. Parce que là, t'es pas prête pour les championnats. Les femmes ne doivent pas se battre. Ça finit toujours mal. À propos, Dorina, ne traîne pas avec cette vermine-là, s'il te plaît. Oui, bien, monsieur. Vermine, vermine. Oh non, mais c'est un asile de fous, cette maison. Quelle chance que je m'en aille, quelle chance que je m'en aille. Tu sais, je t'admire, Joséphine. Pourquoi? Ben, parce que tu n'en as rien à faire, tu as décidé de défier ton père. En fait, ça te fait pas un peu peur qu'il te découvre? Si, évidemment que tout ça me fait peur. Mais je suis prête à faire ce qu'il faut pour ne pas perdre Guillaume. Oui, c'est vrai. Si j'étais à ta place, je ferais exactement la même chose. Je ferais tout ce qu'il faut faire pour ne pas perdre François. C'est trop mignon. Oh, justement, quand on parle du loup... Les filles. Salut, mon chéri. Je vous cherchais, c'est cool qu'on se soit rencontrés. Fito nous attend dans le garage. Pourquoi? Pour en finir avec l'histoire de Lucie. Bon, bah, allons-y. Oui. Oui, on est obligés. Ok, bon, d'accord. Un bisou. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a, François? Tu es préoccupé? Oui. Oui, je suis préoccupé par la relation entre Nicolas et ma sœur. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que... qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'elle, il ne la laisse pas indifférente. Mais François, où est le problème? C'est pas son oncle. Oui, mais t'as pas l'air de comprendre. Le truc, c'est qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle, tu vois. C'est pas génial. Pas la peine de s'inquiéter. Tant qu'elle continue à penser que c'est son oncle, il ne se passera rien. Bien, alors... je ne lui dirai jamais qu'il n'est pas son oncle. François, s'il y a une chose que tu devrais dire à Antonella, ça concerne son père. Je te le répète, si jamais elle l'apprend par quelqu'un d'autre, jamais elle ne te le pardonnera. Tu entends? Dis-moi, tu n'en as parlé à personne? Non, 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 mon amour, tu m'as dit de ne rien dire, alors j'ai rien dit à personne, non. Ok. Non, mais c'est ridicule. Comment voulez-vous que je comprenne ce que vous ressentez? Non, Fito, désolé, mais je ne crois pas que tu comprennes. Tonton, c'est nul ce qui s'est passé. Bon, est-ce que je peux parler maintenant? Je sais que le coup du mail, c'était nul, et que ce qu'il y a eu après, c'était pas mieux. Mais la petite Lucie a su reconnaître son erreur, non? Et en plus, elle... c'était pas son idée, elle a été manipulée par sa mère. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui ferme la porte au nez? Hein? Vous voulez qu'on l'abandonne pour qu'elle refasse la même erreur? Allez, tous pour Fito et Fito pour tous! Explique-leur ce que t'as ressenti. Écoutez, je vous jure que je n'y suis pour rien, moi. Celle qui a envoyé le mail, c'est ma mère. Et quand je m'en suis rendu compte, je voulais vous le raconter. Mais elle n'a pas voulu, elle m'a enfermée. Elle est tout le temps en train de me manipuler et elle m'oblige à faire des choses méchantes. Et quand je lui ai raconté que je ne sortais plus avec Gilles, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Elle m'a dit que tu étais un bon parti pour moi, Gilles. Mais je te jure que je ne me suis jamais rapprochée de toi par intérêt. Vous, en tout cas,
Vous avez de la chance d'avoir une maman normale. Ouais. Mais moi, je... S'il vous plaît, je vous demande de me pardonner. La directrice me laisse revenir au collège. Et j'espère que vous allez me donner une chance de me racheter. Bon, il ne reste quasiment plus rien ici. Ah, c'est une manière optimiste de voir les choses. Ben oui. Bon, moi je vais monter pour préparer la chambre. Ça vous va? Merci beaucoup, Perrine. De tout ce qu'on a apporté, il ne reste presque plus rien. J'imagine qu'il reste un tas de choses chez Blanche. Tu devras aller les chercher, bien sûr. Aller chercher tes petites affaires. Non, y aller de temps en temps. Viens, viens, viens. Viens là. Viens. Tu sais, je peux vivre sans ces affaires. Ce n'est pas grave. Comme ça, si tu veux, j'y vais plus. C'est pas un problème. Non, vas-y, s'il ne se passe rien. Je rigolais. Ah oui? Bah, il faut continuer à ranger. Oui, allez. On finit ça? Oui, on range les vêtements et tout. Tu vois, en une seconde, on aura rangé tout ça. Oh. Toi, tu commences par ici et moi par là. D'accord. Ça, tu veux que je le mette où? Quoi? C'est une enveloppe qui doit venir de ta clinique parce qu'il y a le nom de la clinique dessus. Ah. C'est l'ADN de Patricia. Dorina! Pourquoi tu l'as laissé entrer chez moi sans rien dire comme ça? J'ai pas eu le cœur de lui dire non. Ça me fait de la peine de la rendre triste, cette chérie. Et puis, vous étiez tellement amis, Antonella. Oui, amis, on était amis avant. Maintenant, non. Alors, ce que tu vas faire, c'est la virer. Parce que elle ici, c'est hors de question. Antonella, oui, il faut que vous ouvriez votre cœur. Maintenant, Antonella, arrête de lui crier dessus. Oh là là. Je l'ai supplié de me laisser passer. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux? Tu te rappelles pourquoi on est devenus amies toutes les deux? On est devenus amies parce qu'on avait en commun la même tristesse de ne pas avoir de papa. Parce que je sais ce que tu ressens, je l'ai ressenti moi aussi. C'est pour ça que je suis là. Parce que je sais quelque chose qui peut te sortir de ta tristesse. Mais tu n'en as jamais marre de raconter des âneries. Rentre chez toi. Antonella, ton papa est encore vivant. Ton papa est toujours vivant. C'était de tout mon cœur avec le jeu vidéo Palace pour chiens. Les défis ne te font pas peur? Alors participe au grand jeu Palace pour chiens en répondant à la question suivante. Le rêve de Patricia est de devenir chanteuse, comédienne ou danseuse. Pour participer, connecte-toi sur gulli.fr. Si ta réponse est tirée au sort, tu pourras peut-être gagner une console de jeu.